C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir pour une nouvelle édition sur la RTVC. Cette semaine, on revient sur la croisade de prière et de jeûne de 40 jours de la CMCI qui tire à sa fin plus que deux jours avant la fin de la bataille. Parallèlement, les activités menées par le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde ne stagnent pas puisque les sièges de prière ne cessent de s'enchaîner chaque semaine sous la direction de la sœur Esther Ponant. Vous aurez aussi dans ce numéro des nouvelles de nos églises à Douala, à Garoua, au Nigeria et au Bénin. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. La croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère de la CMCI tire à sa fin qui avait pris effet le 18 octobre 2021. Notre reporter Dan Josué Mouloula revient sur un récapitulatif des enseignements dispensés par le leader, le pasteur Théodore Ondossé, et surtout sur les batailles menées en vue de renverser les antichrists qui s'opposent à l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération. Le reportage. La bataille dans la prière et le jeûne se poursuit à Koumé, quartier général de la CMCI et dans le ministère tout entier. Ainsi, la nuit du samedi 13 novembre, une fois les actions de grâce de ceux qui achevaient le jeûne de 28 jours achevés, le leader est immédiatement revenu sur le fardeau de prière. Il a amené les frères à prier en tant qu'église afin de réprimander la pandémie du COVID-19 et de lui commander de s'arrêter. Donnant un repère biblique, le leader a relevé que Dieu avait envoyé des plaies en Égypte et que le lendemain, il pouvait envoyer un vent pour balayer la plaie. La pandémie touche fort et on donne à la pandémie de s'arrêter. Pandemies have ears. Les pandémies ont des oreilles. Diseases have ears. Les maladies ont des oreilles. Mountains have ears. Les montagnes ont des oreilles. Ainsi, le jugement de Dieu a été invoqué sur la pandémie et sur quiconque est derrière son expansion et sur les moyens par lesquels elle est répandue. Les saints, en tant qu'église de Dieu, ont mis fin au COVID-19 et l'ont expulsé de la planète Terre. Les présidents des nations ont été libérés par la prière de toute peur de la mort, de la peur du COVID-19 et de la peur des puissances agissant derrière le COVID-19. La voie a été barrée au COVID-19 et à toute autre pandémie, à toute autre maladie à l'échelle d'une pandémie, les empêchant d'envahir à nouveau le monde. Il faut préciser qu'au début de cette bataille acharnée contre le COVID-19, une pluie torrentielle comme on ne l'a jamais expérimentée s'est soudainement abattue sur le quartier général, au point où les eaux ont commencé à inonder le hall. À l'arrivée subite de cette pluie, les seuls loin d'être passifs et loin d'être ignorants de la bataille qui venait de commencer, se sont tous joints d'un commun accord à ceux qui priaient dans les rangs pour batailler dans la prière en d'autres langues. Et malgré la pluie qui continuait et pendant que d'autres saints s'activaient au nettoyage de la salle, le leader a conduit les saints dans les actions de grâce au Seigneur pour sa victoire. Par la suite, durant la nuit du 14 novembre, le leader a conduit les saints dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, des versets 3 à 5. Ayant commencé par partager sur les tendances globales, notamment au sujet de plusieurs visionnaires arrogants qui veulent contrôler le monde et façonner les destinées humaines et ainsi prendre entre leurs mains la destinée ultime de la terre, ce sont des antéchrists, a expliqué le leader. We share about many arrogant visionaries. Nous avons partagé au sujet de plusieurs visionnaires arrogants. That want to control the world and shape human destiny. Qui veulent contrôler le monde et façonner la destinée humaine. Et ils sont des antéchrists parce qu'ils sont en train d'usurper les prérogatives du Christ de Dieu, voulant passer pour des sauveurs de l'avenir de l'humanité. Et dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de donner clairement une idée de ce qu'il appelle des forteresses. Ce sont des raisonnements, des philosophies, des idées, le cours de la vie, les prétentions et l'arrogance des hommes qui se dressent contre la connaissance de Christ. Le leader a poursuivi en relevant que les jours dans lesquels nous vivons présentent de grands défis. Et à partir du livre d'Ézéchiel au chapitre 31, le leader a mentionné des grands arbres qui s'élevaient très haut et ces arbres représentent des personnes ou des nations. Par exemple,
Le pharaon d'Égypte était assimilé à un de ces grands arbres qui avaient poussé très haut jusqu'à éclipser les arbres du jardin de Dieu. Et Dieu a taillé la hauteur de ces arbres pour briser et juger leur arrogance. De cet exemple, le leader a ajouté qu'en tant qu'Église, nous devons juger toute arrogance qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et même dans Genèse au chapitre 9, le frère Théodore a relevé que l'ennemi a suscité Nimrod, qui était un chasseur d'hommes devant Dieu, qui prenait les hommes de Dieu en leur offrant une certaine sécurité qui est ici le monde. Et lorsque Dieu a visité Babel pour le jugement et la destruction, il a également choisi et suscité son champion à lui. C'était Abraham que Dieu avait appelé à quitter le monde, les pseudo-sécurités et à être pèlerin pour aller au pays que Dieu lui montrerait. Et ce faisant, il pourvoyait à une vie qui renverserait les systèmes du monde, une vie de foi. Et Abraham a obéi pour devenir le père des nations qui allait ramener les hommes à Dieu. Le frère Théodore a par la suite cité quelques géants suscités par Satan dans notre génération, des visionnaires qui rêvent de façonner la destinée humaine pour s'opposer à Dieu. Et par ailleurs, le frère Théodore a posé la question de savoir où sont les équivalents spirituels, les géants spirituels du royaume de Dieu dans cette génération. Où sont nos hommes d'état spirituels pour notre royaume? Le leader a pris un temps considérable pour donner un arrière-plan historique afin que son fardeau soit saisi par les saints. Par la suite, la prière a été élevée afin que dans ce temps des grands enjeux que Dieu suscite dans notre ministère, des spiritualités colossales pour la conquête du monde pour Christ. Nous avons besoin des accomplisseurs de projets, des géants spirituels qui ne suivent pas des sentiers conventionnels, mais ce sont des gens qui vont chercher et trouver la volonté de Dieu, la croire et l'accomplir. Nous avons besoin de l'air de ceux qui vont commencer l'impossible sans aucun capital, n'ayant pour seul capital que la foi. La prière a été élevée afin que quelque chose se passe dans notre ministère et qu'on cesse d'avoir des gens qui piétinent sur place. Dans la suite de la croisade, le leader a conduit les saints dans le passage de Genèse chapitre 11, les versets 1 à 9. Le leader a tout d'abord rappelé que la commission que Dieu avait donnée à l'homme était d'être fructueux, de croître en effectif et de remplir la terre. Il devait régner sur la terre et ainsi exercer la domination. Mais au chapitre 11, on retrouve un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, une rébellion démocratique. Il y a eu un soulèvement contre l'autorité de Dieu, de sorte que ce que Dieu voulait pour l'humanité, eux, ils ne voulaient pas cela. Ainsi, les hommes voulaient se faire un nom et s'affirmer, ce qui a induit une rébellion populaire à laquelle tous étaient engagés. C'était là une rébellion démocratique. On voit donc ici, a poursuivi le leader, les démocraties, les syndicats et autres s'élevant pour tenter de renverser les desseins de Dieu. Ainsi, le but de cette utilisation active de la technologie, le but de cette démocratie populaire, le but de cette expérience sociologique par l'humanisation, le but de tout ceci était de renverser les desseins de Dieu à relever le leader. Les saints ont été conduits à détruire, renverser, disperser et casser toutes les ambitions des hommes qui se dressent contre les desseins de Dieu dans notre génération. À Dieu soit toute la gloire, lui qui a fait des saints pendant cette croisade, s'est couvrié pour imposer le règne de Christ dans cette génération, afin que les desseins de Dieu soient pleinement accomplis. Dokoumé pour la RTVC, Dame Josué Molula Bekoum. Les sièges de prière organisés par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde se succèdent à la base en même temps que la croisade en cours sous la direction de la sœur Esther Kwonan. Les 40e et 41e sièges ont eu lieu les 17 et 19 et 23 et 24 novembre 2021 pour le compte de cette année au programme Prière pour la croisade en cours pour le leader, pour les dirigeants et les saints de la CMCI. Un dossier de la rédaction proposé par Jacques Coutier. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu son 40e siège de prière de l'année à Koumé du 17 au 19 novembre 2021. C'était une autre bataille de 24 heures dirigée par la sœur Esther pour continuer de transporter le frère Théodore et toute la communauté missionnaire chrétienne internationale dans la croisade de prière et de jeûne en cours.
Mais de manière plus spécifique, la sœur Esther et son élite ont bien voulu se tenir devant Dieu, coopérer avec lui de toutes leurs forces pour que chaque saint, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, ait toutes les clés pouvant lui permettre d'expérimenter l'abondance de Dieu déversée sur nous pendant cette période. Raison pour laquelle, ayant achevé la nuit des croisades du 17 novembre à 8 heures, cette armée s'est retrouvée au lieu du rendez-vous à partir de midi. Avec beaucoup de joie et de reconnaissance à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, la dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a engagé les saints rassemblés aux proclamations et aux prières de gratitude au Seigneur. Pour la présence de Dieu à la croisade, la mobilisation des saints à la base, dans la nation et dans les nations, ils ont remercié le Seigneur. Après avoir chanté quelques cantiques, les soldats de la sœur Esther ont été conduits à intercéder d'abord pour eux-mêmes, afin qu'ils soient ouverts, reçoivent d'abord des choses spirituelles lors des proclamations pendant la croisade. Elle leur a révélé certains domaines où chacun doit recevoir de l'abondance pour être efficace en tant que ministre de prière. Elle a exhorté ces gens à continuer à sculpter leur cœur pour qu'il y ait davantage de la place pour recevoir et contenir tout ce que Dieu a pour nous pendant cette période. Et l'intercession pour le frère Théodore a commencé. Ils ont bataillé avec Dieu pour sa protection quotidienne pendant les 10 prochains jours. Pour chaque tranche de 15 minutes de chaque jour, ils ont lutté avec Dieu pour qu'il rende un ministère approprié à son esprit, à son âme et à son corps. Et que l'Éternel Dieu le rencontre aussi et lui rende tous les ministères dont il a besoin pendant cette période. À partir d'autres sujets de prière aussi, ils ont importuné Dieu pour qu'il vienne avec le leader, rende ministère avec lui et en lui au travers de lui durant cette période critique du ministère. Pour le ministère du leader à l'église de Yaoundé le 27 novembre également, la sœur Esther et son équipe ont assuré le succès du voyage du ministère de la parole. L'intercession pour les dirigeants, le but de la phase 3, ont porté cette session de prière à 17h30. Et un temps de rafraîchissement d'1h30 a été accordé aux soldats avant le rendez-vous du soir qui devait aller de 19h à 8h du matin. Après avoir victorieusement dirigé sa tranche de 5h à 8h, la sœur Esther a dirigé la dernière partie de la bataille qui a repris au lieu habituel. Les intercesseurs ont eu leur retraite personnelle de 15 minutes. Ils ont bravé la fatigue, le sommeil et avec beaucoup de courage, ils ont puisé leur force en Dieu pour batailler une fois de plus pour les cas de malades connus, pour le leader et son ministère à l'église de Yaoundé le 27 novembre, pour sa retraite personnelle. Et le Seigneur a été fidèle. Ils ont proclamé « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire. » Et nous sommes prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le sixième siège de prière pendant la 14e croisade de prière et de jeûne du ministère s'est achevé à Koumé ce 24 novembre 2021. C'était un siège spécial d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu pour ses vagues de visitation, les transformations dans la vie des individus et dans les églises durant cette période spéciale. Pour les bénéfices de ces 40 jours de proclamation, de bataille pour le réveil, d'enseignement et d'impartition de la vision, des richesses divines déversées sur les saints et sur les églises. Pour le déroulement de la croisade, de la période de louange à celle réservée à l'intercession pour les fonds, les intercesseurs ont chanté la bonté du Seigneur au peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale en général et pour chaque saint en particulier. Certains ont saisi cette opportunité pour dire « Merci à Dieu pour sa bonté » et pour son abondance déversée sur eux en tant qu'individus pendant cette saison spéciale. Pour la présence tangible de Dieu à la croisade de prière également. La participation des saints aussi. Les soldats de la sœur Esther ont adoré l'Éternel des armées
pour son œuvre qu'il est en train de bâtir et contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront point. Et le travail de la prière a commencé. La dirigeante du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a amené ses disciples à se saisir de Dieu d'abord pour eux-mêmes, pour protéger et établir dans leur vie, par la prière, les acquis de cette croisade monumentale de la phase 3. Ils ont continué de labourer leur cœur pour se créer de l'espace nécessaire afin de bénéficier de toutes les richesses mises à leur disposition pendant cette période. Après avoir bataillé pour eux-mêmes, ils se sont tournés vers le porteur de la vision. Ils ont importuné Dieu pour qu'il guérisse le frère Théodore de toute maladie, de toute infirmité, et le bénisse avec l'abondance de santé parfaite comme son héritage permanent. Ils ont plaidé avec l'Éternel des armées pour qu'il lui donne d'entrer dans de nouveaux domaines d'abondance, dans des niveaux de plus grande abondance pendant cette période. Ils ont pris un temps assez considérable pour couvrir le leader dans la prière pendant chaque jour du mois de décembre 2021. Nos bien-aimés à la brèche ont également géré dans la prière le ministère du frère Théodore à l'église de Yaoundé le 27 novembre 2021. Le déroulement de la dernière partie de la 14e croisade de prière, tant à la base que partout dans notre œuvre, ont été présentés à celui qui exauce les prières. Tous ces sujets de prière et bien d'autres ont porté cette partie du combat à 17h45. Et nos intercesseurs ont été renvoyés pour un temps de rafraîchissement d'environ une heure avant de reprendre service avec les autres à la croisade de prière à 19h. Après la nuit de la croisade, la sœur Esther et ses soldats ont regagné le lieu du combat. La bataille a poursuivi avec la retraite personnelle du frère Théodore. Ils ont bataillé aussi pour tous les dirigeants du ministère, pour la protection quotidienne de chaque saint également. Ils sont revenus élever à Dieu tous les cas de malades connus dans le ministère. Et le Seigneur a remporté une autre victoire. La sœur Esther et les saints ont reconnu devant Dieu, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. » La croisade de prière et de jeûne de 40 jours suit également son cours dans la nation spirituelle de Garoua avec plus de 70 points de prière. Chaque nuit, les saints élèvent au Seigneur actions de grâce, louanges et requêtes intenses. Un reportage signé Jonathan Yougan. La croisade de prière et de jeûne a effectivement lieu à Garoua de 18h à 5h du matin, soit 11 heures de prière par jour, dont les week-ends sont clôturés par des sièges de prière, aussi bien à Garoua que dans environ 73 localités dans la nation spirituelle de Garoua. Elle a répondu présent à la sainte convocation du Seigneur, à cette saison de jeûne, de prière, d'intercession et de louange. Et chaque jour, il nous surprend par sa présence massive en mobilisant plusieurs frères dans la nation spirituelle de Garoua à lui offrir des jeûnes de 1 à 40 jours, en même temps les fortifiant dans la prière intense toutes les nuits. Ainsi, son Saint-Esprit a inspiré le programme de chaque jour de la croisade comme suit. D'abondantes proclamations sur la victoire de Christ à la croix et le renversement des principautés, le ministère rendu au Seigneur à travers la proclamation des attributs de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la lecture abondante de la Bible, l'objectif étant de la lire de Genèse à Apocalypse pendant les 40 jours de la croisade. Le Seigneur étant à l'œuvre, actuellement le niveau de lecture est 2 Corinthiens 5. Des actions de grâce et réjouissance au Seigneur, la projection du message de la croisade à partir du quartier général pour suivre le message du leader, les prières de protection générale et spécifique de la nation spirituelle des Garoua, la conquête des âmes et le suivi des familles. Les prières pour le leader, les missionnaires nationaux et internationaux de notre œuvre. L'objectif de cette croisade de jeûne et de prière dans notre ministère étant
l'accomplissement de notre but révélé par Dieu pour la phase 3, le Seigneur a été à l'œuvre, fortifiant ainsi les frères à presser, quels que soient les obstacles, dans l'évangélisation, le suivi des familles, aboutissant ainsi à l'implantation des églises de maison, catalysées par de multiples baptêmes. Le Seigneur reste à l'œuvre et continue d'agir. À lui soit la gloire. Pour RTVC depuis Garoua, je suis Jonathan Youkan. À Douala, le pasteur Martin Fatélé poursuit sa tournée dans les différentes églises de la ville afin de susciter les dirigeants indispensables pour l'accomplissement du but de la phase 3. Il met d'ailleurs l'emphase sur l'importance de l'écart de leadership, comme vous le verrez tout de suite en images. Le dimanche 21 novembre 2021, le dirigeant de l'église de Douala, le pasteur Martin Fatélé, a continué sa tournée dans les familles de l'église en vue de susciter des dirigeants qui vont l'aider dans l'accomplissement du but de la phase 3 dans la province spirituelle de Douala. Le centre chrétien de Ndoksimbi a servi de cadre pour celui de la famille Fatélé qui a vu la participation de plus de 1000 personnes et près de 87 assemblées de maisons étaient représentées. Certains par leurs dirigeants. Il faut rappeler la dernière visite du frère Martin l'a conduit dans la famille Ezié et la famille Tankenjou. La réunion a commencé à 8h30 dirigée par le frère Jérôme Ntonga qui a tout à tout conduit la famille dans les prières d'action de grâce et de louange. Le frère Martin et le frère Antoine, son traducteur, ont rappelé la particularité de cette réunion dont le sujet majeur était de susciter les dirigeants. La première chose dont nous voulons vous communiquer ce matin, c'est qu'un dirigeant est suivi. Il doit être loin devant pour que les autres le voient et le suivent. Le frère Martin a essayé d'illustrer cela par 10 personnes ayant les mêmes tailles. Dans ce cas, il n'y a pas de dirigeant, a-t-il souligné. Le dirigeant doit être une montagne. Un dirigeant doit pouvoir la visibilité, être en avant sur le peuple qu'il dirige. Sinon, un dirigeant pourrait perdre son leadership. Après le rappel du but de l'année de la famille, le frère Martin a tenu à connaître le nombre des dirigeants d'églises et de maisons présents à cette culte spéciale. Ainsi, tour à tour, chaque dirigeant s'est présenté et a appelé les membres de son assemblée de maison. C'était l'occasion pour le frère Martin de voir le niveau du leadership de chaque dirigeant. Ensuite, il les a encouragés à s'ordonner eux-mêmes au leadership. Le leader doit être en avant sur le peuple qu'il dirige. Le leadership n'est pas la nomination, c'est l'auto-ordination. Il a continué l'exhortation citant plusieurs passages bibliques comme celui d'Exode 32, versets 25 et 29. Ézéchiel 44, versets 10 à 16, 2 Corinthiens 11, verset 12. Les Lévites se sont auto-ordonnés. Leur leadership a été obtenu par un grand prix payé, par une obéissance coûteuse, par une obéissance douloureuse, une obéissance impopulaire. Le leadership est maintenu par cette même obéissance. Sur ce, plusieurs personnes se sont engagées à être des dirigeants et à implanter des églises de maison. D'autres dans d'autres domaines de notre ministère. Ce culte a donné l'occasion à une vingtaine d'invités qui étaient présents de se réconcilier avec Dieu. Plusieurs saints qui n'étaient pas dans le jeûne ont pu communier avec du riz bien accompagné. Ce culte spécial est fini autour de 14h44 par une prière de bénédiction faite par le frère Martin. C'est durant le mois de décembre que le pasteur va continuer sa tournée dans les autres familles de l'église de Douala. Le Tchad n'est pas en reste pour ce qui est de l'assiduité à la croisade de prière et de jeûne du ministère. Depuis le 18 octobre, les saints se réunissent chaque nuit à N'Djamena de 18h à 5h pour prier et dans bien d'autres localités. Et puis, deuxième vague de formation et d'envoi de missionnaires nationaux, toujours au Tchad du 14 au 22 novembre sous la direction
du pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant de l'œuvre au Cameroun. On suit les détails avec Jacques Kouetché. La 14e croisade de prière et de jeûne du ministère est en train de se dérouler également au Tchad depuis le 18 octobre 2021 dans différentes localités. En N'Djamena, la prière se tient chaque jour de 19h à 5h du matin. De 19h à 21h, les frères procèdent aux proclamations des paroles prophétiques reçues du Seigneur à travers le frère Zach en 2002. Plus de 150 000 proclamations ont été faites jusqu'ici. À partir de 21h, la connexion au quartier général est établie pour que les frères suivent l'enseignement du frère Théodore. De 4h à 5h, les frères commencent l'intercession pour la conquête du Tchad. Cette croisade est en train d'être suivie également dans une vingtaine de localités où les frères se réunissent pour prier au moins 2 heures de temps chaque jour. Gloire au Seigneur pour son œuvre qui avance au Tchad. Compte rendu de Eugénie Takam, lu par Jacques Kouetché. La deuxième session de formation des missionnaires nationaux tenue à N'Djamena par le frère Jean de Dieu Wachiyi s'est achevée ce dimanche 22 novembre 2021. Le but étant de susciter 100 missionnaires nationaux pour le Tchad. Du 14 au 22 novembre, en effet, les candidats missionnaires qui étaient en stage sont revenus présenter leur compte rendu. Et ces rapports ont montré que 15 assemblées de maisons ont été implantées et 12 groupes d'études bibliques. Pendant cette session de formation, le frère Jean de Dieu a enseigné les étudiants sur la vision de notre œuvre. Le missionnaire et les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. La croissance de l'œuvre à travers les assemblées de maisons. Une cartographie missionnaire du Tchad a également été réalisée. Et environ 177 localités de la nation devront être pénétrées d'ici 2025. Cette session de formation a été clôturée par une cérémonie de send-off de 106 missionnaires nationaux postés dans 65 localités. Ainsi, la conquête de chacune de ces localités a commencé cette semaine. Ceci marque une première vague de 400 missionnaires qui doivent être déployés sur le territoire tchadien pendant cette phase 3 de notre œuvre. Puisse le Seigneur de la moisson susciter urgemment les 300 autres missionnaires nationaux et envoyer dans la moisson pendant cette phase pour son œuvre. Ceci est un compte rendu de la sœur Eugénie Takam, lu par Jacques Kouetché. Au Nigeria, tenue d'une retraite pour jeunes et étudiants qui a rassemblé plus de 80 participants venus de 8 États sous le thème « La jeunesse et les missions ». Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont repartis, stimulés et galvanisés pour accomplir le but de notre ministère au Nigeria. Reportage. Le camp des jeunes et étudiants du Sud-Ouest qui vient de s'achever s'est tenu à Akure dans l'État d'Ondo au Nigeria. C'était une retraite de 3 jours du 19 au 21 novembre 2021, intitulée « Jeunesse et mission ». 3 jours de visite de Dieu avec un total de 89 participants avec des représentants de 8 États présents. La retraite était pleine de vie et de présence de Dieu. Le premier jour, le frère Yenka Abidoye, responsable de l'œuvre dans l'État d'Oyo et coordinateur des Frères du Sud-Ouest, a donné un enseignement approfondi sur le thème « La jeunesse et les missions ». Il a déclaré que chaque jeune doit être une personne qui a une mission et qui brûle de passion. Ainsi, un jeune sans vision ne fait que vivre, ajoute-t-il. Il a fait comprendre à son auditoire que les jeunes sont très importants dans le schéma de la vie et Dieu compte sur chacun d'entre eux pour que ses desseins soient accomplis. Il a ajouté qu'en tant que jeune, chacun est censé être en mission. Et pour vraiment poursuivre cette mission, ils doivent avoir une vision. Sans vision, aucune mission ne peut être accomplie. Une vision des attentes de Dieu envers chaque individu et de ce que Dieu exige de lui et de toute la communauté. Le deuxième jour, lors de la session du matin, le frère Moses Mba a enseigné sur la nécessité de connaître notre identité. Il a expliqué que pour ceux de la CMCI, nous avons nos racines, nos coutumes et chaque jeune de la CMCI Nigeria doit connaître notre vision,
connaître le but du ministère et connaître le but de la phase 3 afin que nous puissions courir avec elle. Dans la soirée, le frère Emeka Denis, dirigeant des jeunes et étudiants au Nigeria, a enseigné sur la vision de notre œuvre au Nigeria comme contenue dans les prophéties spécifiques pour le Nigeria que Dieu nous a donné à travers le frère Zach. Il a clairement expliqué à tous la place des jeunes et des étudiants dans l'accomplissement et la réalisation des prophéties, car nous sommes dans un temps d'accomplissement des promesses de Dieu. Au cours de l'enseignement, il a dit « La foi, l'attitude et l'engagement détermineront si l'accomplissement des prophéties se fera dans cette génération ou non. » En outre, une prophétie d'il y a 25 ans qui n'a pas été accomplie peut être poursuivie et accomplie afin que les desseins de Dieu soient accomplis dans cette génération. Elles attendent toutes d'être accomplies. La prophétie de la révolution de Jésus dépend du type de personne dont Dieu a besoin de façon urgente pour réaliser une révolution spirituelle dans la CMCI Nigeria, dans le Nigeria en tant que nation et dans les nations de la terre. C'était un temps de bonheur et de joie et la rencontre s'est achevée le dimanche avec le frère Yenka qui a conduit les frères à chanter des chants d'engagement au travail et au ministère et des engagements à avoir l'esprit de mission et aller en mission. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce camp des jeunes du Sud-Ouest et nous croyons qu'une explosion est imminente. Au Bénin, grande saison d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation d'églises lancée en cette période de croisade par notre missionnaire, le pasteur Bossoum. Bilan, grand réveil au milieu des frères et de nombreuses conversions au Seigneur Jésus-Christ. Un reportage de Hyacinthe Bekolo. À l'époque du frère Zach, notre missionnaire au Bénin, le pasteur Bossoum Koumabé, avait l'habitude de faire des expéditions dans le camp de l'ennemi pour prêcher l'évangile, gagner les âmes et implanter des églises. C'est en se remémorant ces souvenirs que notre missionnaire au Bénin a décidé de faire de cette période de prière et de jeûne une saison d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises. C'est ainsi qu'il a demandé à tous les dirigeants qui n'ont pas d'église dans leur village, d'aller implanter des églises pendant cette période de croisade du ministère. Cette action a produit le réveil dans le nord et le sud du Bénin. C'est dans cette dynamique que dimanche 21 novembre 2021, le leader de la nation béninoise et le pasteur Christophe Koué et une délégation ont quitté Cotonou pour aller rejoindre le dirigeant départemental Zachary Eki pour aller implanter une église dans le village de Kodaha, situé dans le sud-ouest du Bénin. Arrivé dans le dit village, il a prêché sur le retour du Seigneur Jésus-Christ en démontrant que les bouleversements sociaux, structurels, culturels et sanitaires qui ont cours dans notre époque sont la preuve que le Seigneur Jésus revient bientôt et qu'il faut sortir pour prêcher l'évangile pour le peu de temps qui nous reste avant que la trompette ne sonne. Alléluia. Amen. Tout ça montre que nous sommes à la fin des temps. Nous n'ayons plein de choses sous les collins, nous n'ayons pas de et ils nous tentons nous par la pada et Foucault qu'on nous tente au plein valière. Chéchéni, mon mido, vavon n'orrelo. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Arrêtez sous votre sabaré. Sur ces paroles, il a envoyé tous les saints sortir prêcher l'évangile dans le village et les zones environnantes. Après l'évangélisation, les saints sont revenus rendre compte. Nous avons évangélisé 19 personnes. 7 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons évangélisé 29 personnes. 11 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je suis parti évangéliser avec le pasteur Eki. Nous avons évangélisé 16 personnes et 10 personnes ont reçu Christ. Amen. Et deux frères notables du village ont cru et toutes leurs familles et les églises ont été implantées dans ces maisons. Beaucoup de villageois ont été gagnés à Christ. Comme bilan total de ce jour-là, évangéliser c'est combien? 433 évangélisés. Amen. Combien de personnes ont reçu Jésus? 185. 185. Applaudissez le
Saint Jésus. Après l'évangélisation, plus de jeunes convertis ont suivi les frères au lieu de la réunion et l'église à Kodaha a été implantée. Que le nom du Seigneur soit loué. Yassine Bekolo, RTVC Koumé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. La suite de nos programmes sur YouTube.